supporteur de Sanson. Être porteur d'un géant, c'est déjà aimer son folklore et c'est avoir un minimum de force parce que les géants font entre 130 et 140 kilos. Donc il faut savoir porter du poids sur les épaules, savoir également danser parce qu'à la Ducasse d'Ath, les géants, leur particularité est de danser. C'est un patrimoine historique qui a plus de 5 siècles et qui a démarré par une procession catholique qui sortait de l'église une fois par an et qui, au fil des siècles, s'est adaptée pour agrémenter le patrimoine local et mettre en valeur la Belgique et la région. For 500 years now, on the fourth Sunday of August, the giants of the town of Ath have walked in procession through the streets to dance with the people. What was once a religious procession 5 centuries ago became the Ducasse of Ath, a festive and historic gathering to sample the folkloric heritage of the city of giants. Since the origins of the Ducasse, monumental floats have paid homage to agricultural and commercial life, as well as to the neighboring villages. The town of Ath lets you literally taste its centuries of history with its local products, such as the Gouillasse beer, named after the giant Goliath. At the outset, there were the millers of the Ath region, used to carrying heavy sacks of flour, who made the giants twirl during the festival. Today, when the bells of St. Julian's Church ring out, bearers from all sectors of the population go out and carry their own giant. During the Ducasse, the giants are entitled to their own culinary specialty. La tarte-gouillasse, eh bien, vient du nom d'un des géants, qui est Monsieur Goyette. Oh, c'est très riche, hein? Il y a du lait, il y a des œufs, il y a du sucre. Le vrai Athois n'en mange que pendant la période de la Ducasse. Et après le 8 septembre, l'Athois n'en mange plus, jusque la prochaine Ducasse. On joue! Notre cœur commence à battre le samedi midi lorsque la grosse cloche retentit et qu'on fait virevolter le géant toute la journée. C'est une émotion tellement intense du fait que la population est vraiment derrière nous pour soulever le folklore avec nous. Mais c'est vrai que le dimanche soir, on a toujours la larme à l'œil, mais on sait que dans 12 mois, on recommence.